de sortie au stade de la Licorne avec son nouveau costume de leader. Les Lyonnais ont assumé leur statut en s'imposant 2-0 face au Racing Club de Lens. Le premier but est marqué contre son camp par Jean-Philippe Gébamin qui trompe son propre gardien Rudy Rioux. 5 minutes plus tard, la main de Silla engendre le pénalty transformé par Alexandre Lacazette. 20e but pour Lacazette. L'OL reste premier. Derrière, l'on retrouve à un point l'OM qui a eu toutes les peines du monde à se défaire des Guingampais. Tout cela s'est décanté en fin de partie. 84e minute, le but de Mario Lemina pour le 1-0. 5 minutes plus tard, la 8e passe décisive de Payet pour le 13e but de Gignac. 2-0 pour l'OM. La soirée des Olympiens aurait pu être parfaite sans cette 92e minute et la réduction du score de Claudio Beauvu. À la 3e position, l'on retrouve le PSG qui retrouve le podium en s'imposant face à Lévian Tonon-Gaillard. Pourtant, ce sont les Hauts-Savoyards qui ouvrent la marque au quart d'heure de jeu par le vétéran Cédric Barbosa. À la demi-heure, c'est le défenseur central brésilien David Luiz qui égalise et marque son premier but en Ligue 1. Marco Verratti en profite lui aussi pour marquer son premier but en Ligue 1 pour le 2-1. Ce sera le score à la pause. Mais les Evianais vont revenir bien aidés par le but inscrit contre son camp de Grégory Vanderville. 2-2. Mais le PSG, à l'issue de ce mouvement limpide, va reprendre l'avantage avec le 2e but de Javier Pastore à la parade sur ce centre de Lucas. Mais le score final sera finalement de 4-2 avec la 8e réalisation d'Edinson Cavani. Le PSG se donne un petit peu d'air et retrouve le podium. Saint-Etienne quitte le podium après le match nul concédé face à Rennes. Une occasion pour les Rennais signé Doucouré. Mais la frappe du milieu de terrain breton passe au-dessus. Une opportunité pour l'ancien Rennais Lemoine qui va buter sur Costil. 0-0, score final entre les deux formations. Monaco gagne à la Monégasque, serait-on tenté de dire, sur le score de 1-0. C'est la 6e fois que les hommes du Rocher s'imposent sur ce score. Un seul but inscrit par Bernardo Silva face à Nantes. Après sa victoire contre l'OM la semaine dernière, Montpellier confirme à Saint-Symphorien face à Metz. L'ouverture du score est signée Lucas Barrios sur pénalty. Égalisation dans le même exercice par Yeni Mbakoto. Metz, contre le cours du jeu, va reprendre l'avantage. Le centre de Bounassar est coupé par le défenseur Gaëtan Buzman. 2-1 à la pause pour les Grenats qui vont se faire rejoindre avec le doublé de Lucas Barrios. Bien servi par Brian Dabo. Et Lucas Barrios va même s'offrir un triplé à la réception de cette frappe de Sanson sur le poteau. Montpellier s'impose 3-2. Avec ses absents et ses blessés, Bordeaux a du mal en ce moment. Pourtant, les Girondins ouvrent la marque en première période avec ce pénalty transformé par Diego Rolan. Mais en deuxième mi-temps, suite au coup franc d'Esric, c'est Jordan Amavi qui remet les deux équipes à égalité. Et dans les arrêts de jeu, le service de Botteac pour Pléa est impeccable. Superbe coup de l'OGC Nice à Bordeaux. Lanterne rouge du championnat. Caen s'est offert un sursaut d'orgueil en s'imposant 4-1 face à Reims. Le premier but est marqué contre son camp par Valentin Roberge à la 3e minute. 9e minute, le but de Sloan Priva pour le 2-0. Réduction de la marque avec ce pénalty de Gaëtan Charbonnier. Le 12e pénalty concédé par le Stade Malherbe de Caen. Les Malherbistes qui vont reprendre un petit peu d'avance juste avant la pause avec ce but qui est bien rentré grâce à Alaïd Niaya. 3-1, puis 4-1. Score final avec ce pénalty de Fode Koïta.
Lorient s'impose par la plus petite des marges, 1-0 grâce au but de Raphaël Guerrero, et met fin à une série de 4 défaites toutes compétitions confondues. Coup d'arrêt pour Lille après ses 2 victoires consécutives. Au Stadium, match nul entre Toulouse et Bastia qui ne fait l'affaire d'aucune des deux équipes. Entre Corse et Toulousain, ce sont les hommes de Ghislain Printemps qui ouvrent la marque par Famoussa Kone. Réaction des Toulousains en deuxième période avec le nouvel entrant Martin Brest-White. Un partout, score final. Les deux équipes possèdent simplement 2 points d'avance sur la zone rouge. 28 buts inscrits au terme de cette 21e journée. On retiendra le carton de Caen face à Reims et la partie spectaculaire entre le PSG et Evian. Lyon confirme son statut de leader en s'imposant face à Lens. Lyon possède 1 point d'avance sur Marseille et 4 sur le Paris Saint-Germain qui retrouve le podium aux dépens de Saint-Étienne. Monaco est seul 5e. Montpellier se hisse en 6e position. Dans la deuxième partie, Lille perd une place. Guingamp reste en 13e position malgré sa défaite. Lorient prend quelques distances par rapport à la zone de relégation, au contraire de Bastia et Toulouse qui conservent simplement 2 points d'avance sur les Vianton-Longaillard. La prochaine journée avec en ouverture Nice face à l'OM. Le samedi, un match important pour le maintien entre l'ETG et Toulouse. Dimanche, le leader lyonnais accueille Metz et le choc entre Saint-Étienne et le PSG en clôture.